dans ce nouveau cours en ligne d'espagnol. Est-ce que tout le monde est connecté? Oui? Vous avez tous de quoi noter? Ok. Alors, ce soir, je vous propose que l'on voit ensemble quelques groupes d'aliments. L'été arrivant, certains d'entre vous s'en iront peut-être passer quelques jours en Espagne. Et je trouvais essentiel que vous soyez en mesure de commander vos propres plats dans un restaurant ou tout simplement comprendre ce que comporte un plat dans un restaurant sur un menu. J'ai catégorisé ça dans différents groupes et on va les voir tous un par un. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous va? Parfait. Donc, j'ai avec moi mon tableau. Sur lequel je vais écrire en espagnol les mots et on les traduira ensemble en français. Ok? C'est parti. Le premier mot que nous allons voir ensemble, c'est legumbres. Legumbres. Qui veut dire légumes. Légumes. Legumbres. Légumes. Légumes. Le deuxième mot que nous allons voir ensemble, frijoles. On n'oublie pas que le J en espagnol se prononce avec le fond de la gorge. Frijoles. 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 Qui veut dire haricots. Haricots. Frijoles. Nous avons aguacate, 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 qui veut tout simplement dire avocat, avocat. Donc on parle bien là
celui qu'on mange. Avocat. Aguacate. L'association du U et du A. Aguacate. Aguacate. Est-ce que ça va? Oui, ok. Ensuite, assez simple, vous avez le mot maïs. Assez proche du français qui veut tout simplement dire maïs. Avec un accent sur le i pour bien appuyer sur cette lettre. Maïs. Ensuite, assez simple, nous avons tomate. Tomate qui s'écrit exactement pareil qu'en français, mais comme les E se prononcent E en espagnol, ce n'est pas tomate, mais tomate. Tomate. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui? Ok. On passe ensuite à berenjena. Berenjena. Donc on a le J pour le R. Berenjena. Berenjena. Qui veut dire aubergine. Étonnamment, ça ressemble beaucoup au prénom Bérangère. Si vous avez une amie ou de la famille, une personne de votre famille qui s'appelle Bérangère et qui aime les aubergines, ça peut vous aider comme moyen mémotechnique. Sinon, berenjena, c'est aubergine. Aubergine. On va passer ensuite à pépino, qui est un mot assez mignon, assez chouette, je trouve. Pépino, qui veut dire concombre. Pépino, concombre. Pépino, concombre. Concombre. Ensuite, vous avez brocoli. Brocoli. Exactement comme en français. Brocoli. Brocoli. Vous avez par la suite guisantes. Là, l'association du E et du I va prononcer le... On va prononcer gui et non pas gui. Guisantes. Guisantes. Qui veut dire pois. P-O-I-S. Guisantes. Pois. Pois. On a également le mot cebolla avec le double L pour la prononciation IE. Cebolla. Cebolla, qui veut dire oignon. Oignon. Et j'ai fait exprès d'en garder un peu particulier. Celui-ci. Zanahoria. Zanahoria. C'est l'un des rares mots en espagnol où vous avez un H. Puisque, même si cette lettre existe en espagnol, dans l'alphabet, le H, en général, toutes les lettres se prononcent. Sauf dans certains mots où le H apparaît. Et on ne va pas forcément le prononcer. Zanahoria. Zanahoria. Et ce mot est assez compliqué quand même. Il faut tout simplement dire carotte. Carotte. Zanahoria. Donc on a legumbres pour légumes, frijoles pour haricots, aguacate pour avocat, maïs pour maïs, tomate pour tomate, zanahoria pour carotte, berenjena pour aubergine, pépino, concombre, brocoli pour brocoli, guisantes pour les pois et cebolla pour les oignons. Est-ce que ça va?
Je sais que ça peut être un peu perturbant, parce qu'en général, ce ne sont pas des mots qu'on utilise tous les jours, mais c'est bien de connaître quelques noms d'aliments en langue étrangère pour nous permettre de, comme je vous ai dit, de savoir ce qui se trouve dans un plat, de pouvoir demander à un serveur de retirer potentiellement un aliment dont on serait allergique ou qu'on ne souhaite pas manger. Donc connaître certains groupes d'aliments, certains noms, c'est essentiel selon moi. Pas de questions? Ok, j'efface le tableau et je vous écris la suite des légumes. Juste vous effacer celui-ci parce que j'ai peur que vous confondiez les deux lettres. Voilà. C'est mieux comme ça, je pense. Je vous laisse un peu de temps pour recopier tout ça. Maintenant que vous avez bien recopié, on va les traduire ensemble. Le premier, c'est arro. Encore une fois, le J au fond de la gorge. Arro. Arro. Qui veut dire aïe. A-I-L. Aïe. Arro. Aïe. Ensuite, vous avez lechuga. Lechuga. C-H-U. Lechuga. Lechuga qui veut dire laitue. Laitue. Lechuga. Laitue. Est-ce que ça va? Ok. Ensuite, puerro. Puerro. On a le double R, donc qui doit être roulé. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est assez compliqué. Puerro. Qui veut dire poireau. 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 Un qui est assez proche de notre orthographe, c'est champignones. Champignones. La différence, c'est que le nye en espagnol s'écrit N avec l'accent qui s'appelle la tilde. La tilde. Champignones. Champignones. Champignons. Ensuite, un encore assez proche de notre orthographe, c'est patatas. Patatas. Pommes de terre. Patatas. Pommes de terre. Patatas. Pommes de terre.
suivant est assez similaire du premier puisque c'est batata. Patatas, pommes de terre. Batata, batata. Pour patate douce. Ils sont assez similaires finalement, qu'une lettre qui change vraiment puisque le masculin, le pluriel pardon, serait batatas. Mais c'est patata pour pomme de terre. Batata pour patate douce. Patatas, patata. Et enfin, col, C-O-L, col pour chou. Chou. Col, chou. Donc, on reprend ensemble. Arro pour ail, lechuga pour laitue, puerro pour poireau, champignones pour champignons, patatas pour pommes de terre, patata pour patate douce et enfin col pour chou. Est-ce que ça va? Oui. On en a fini avec les légumes, maintenant on va passer aux fruits, puisque c'est un peu de saison, disons. J'efface le tableau et je vous écris les fruits, vous les notez et on les traduit ensemble, ok? Mais pas plus parce que ça pourrait être trop d'un coup. Je vous laisse écrire cela et on les traduit ensemble. Bien, le premier mot que nous avons, frutas, frutas, le U on se souvient où, frutas, qui veut dire fruit, au pluriel du coup, parce qu'il y a un S, si on sait fruta, frutas, fruit, fruit, frutas, fruit. Ensuite vous avez naranja, naranja. Naranja, N-A-R-A-N-J-A, naranja, naranja, qui veut dire orange, orange, que ce soit la couleur ou le fruit.
orange. Naranja, orange. Nous avons ensuite melocotón. Comme vous l'avez vu, il y a un accent sur le dernier O. Melocotón. 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 Et c'est tout simplement la pêche. Alors, un moyen mnémotechnique, c'est que vous avez le mot coton. Et bon, je sais que la texture d'une pêche, c'est pas vraiment la même chose que du coton, mais ça peut vous aider comme moyen mnémotechnique. Melocotón. Pêche. Melocotón. Ensuite, nous avons uva. Uva. Dans ce mot-là, nous avons le U qui est prononcé U, mais le V ne va pas être prononcé V, mais B. Uva. Uva. Ça fait un peu penser au cri du marsupilamille. Uva. Et c'est raisin. Uva. Raisin. Ensuite, vous avez pigna. Pigna. Pareil, le son UE va être écrit en espagnol avec le N et son accent, la tilde. Pigna. Pigna. Qui veut dire ananas. Ananas. Pigna. Ananas. Ananas. Le mot suivant, c'est pera. Pera. Il faut faire très attention avec ce mot, parce qu'avec un seul R comme écrit, ça veut dire poire. Avec deux R, c'est la femelle du chien, la chienne. Donc, faites attention. Pera, la poire. La poire. Pera. Le fameux kiwi. International, je pense ne pas avoir besoin de vous traduire, non, c'est bien ce qui me semblait. Kiwi. Et on finit par higo. Higo. H-I-G-O. Higo, qui est la figue. La figue. Higo. La figue. Donc nous avons frutas, les fruits. Nous avons naranja, orange, melocotón, la pêche, uva, le raisin, piña, l'ananas, pera, la poire, kiwi, et higo, la figue. Est-ce que ça va toujours? Je vais effacer ça et je vais vous inscrire les derniers fruits. Ok, bien.
je vous laisse le temps d'écrire. Bien, nous commençons avec Sandhya. Encore une fois, vous voyez, il y a un accent sur le i, ce qui indique que l'on doit appuyer finalement sur cette lettre ou du moins sur cette partie du mot. Sandhya. Sandhya. Et Sandhya, c'est la pastèque. La pastèque. Sandhya. Pastèque. Pastèque. Ensuite, on a manthana. Manthana. Le Z. Manthana. Manthana. Et c'est tout simplement la pomme. Manthana. La pomme. Manthana. La pomme. On a ensuite moras. Moras. Et c'est assez proche finalement de notre orthographe puisque ce sont les murs. Moras, les murs. Moras. Nous avons ensuite cereza. Et celui-là, il est assez compliqué puisque le C, ce sera un S, S, S. Mais on a le Z qui se prononce cereza. 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 Cerise. Cerise. Cereza. Cereza. Cerise. Est-ce que ça va? Ok. Fresa. Fraise. Voilà, je pense que même si l'orthographe n'est pas identique, c'est un mot assez identifiable. Fresa. Fraise. Fresa. Fraise. Et le dernier, vous voyez un accent sur le premier A. C'est plátano. Plátano. Et c'est banane. Plátano. Plátano. Banane. Plátano. Banane. On les reprend ensemble? Ok. Donc on a sandhya pour pastèque. Manzana pour pomme. Moras pour les murs. Cereza pour les fraises. Fresa pour les fraises. Et plátano pour les bananes. Est-ce que ça va? Parfait. On va passer ensemble maintenant aux produits laitiers. C'est parti. Encore une fois, je vous laisse écrire.
Le premier mot que nous allons traduire ensemble, c'est lecce. Lecce, qui veut dire lait. Lecce. Lecce. Ensuite, nous avons le mot mantequilla. Encore une fois, vous avez le double L pour le son Y. Et le Q-U-I ne sera pas qui, mais qui, comme en français. Mantequilla. Mantequilla, mantequilla, qui veut dire beurre, le beurre. Vous avez ensuite nata, nata, un mot assez simple pour dire crème, de la crème. Un qui ressemble fortement à celui qu'on utilise, yogourt, yogourt. Qui veut dire yaourt. Yogourt. Yaourt. Yogourt. L'avant-dernier, queso. Q-U-E. Que et non pas que. Queso. Queso. Qui veut dire fromage. Fromage. Et le dernier, helado. Helado. Qui veut dire crème glacée. Helado, crème glacée. Donc on a leche pour lait, mantequilla pour beurre, nata pour crème, on a ensuite yogourt pour yaourt, queso pour fromage et helado pour crème glacée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bien. On va ensuite pouvoir passer aux viandes. Je vous laisse le temps de noter. Le premier mot que nous allons voir, c'est carne. Carne. C-A-R-N-E. Carne, qui veut dire la viande. La viande, ça englobe toutes les familles, types de viande. Carne, la viande. Ensuite, nous avons cerdo. Cerdo. C-E-R-D-O. Cerdo. Et ça, c'est le porc. Cerdo, le porc. Le mot suivant est assez drôle, puisque c'est salchicha. Et j'aime beaucoup ce mot. Salchicha. Salchicha. Ça veut tout simplement dire saucisse. Salchicha. Saucisse. Ensuite, vous avez conejo. Encore une fois, le J dans la gorge. Conejo. Conejo. Et ça veut dire lapin. Conejo.
lapin. Conejo, lapin. Ensuite, vous avez le même mot, carne, suivi du mot roja, rouge. Carne roja, viande rouge. Carne roja, viande rouge. Mais vous avez aussi carne de res, R-E-S. Carne de res, carne de res, qui veut dire viande de bœuf. Viande de bœuf. Et lui suivant, pollo, le double L pour le ye, pollo, qui veut dire poulet. Poulet. Donc, nous avons le mot carne pour viande, cerdo pour porc, salchicha pour saucisse, conejo pour lapin, carne roja pour viande rouge, carne de res pour viande de bœuf et pollo pour le poulet. Est-ce que ça va? Courage, c'est bientôt fini. On va maintenant passer au poisson et ensuite cette classe sera terminée, c'est promis. Vous pourrez vous détendre un petit peu. Ok. Allez, c'est la dernière. Je vous laisse recopier tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prenez votre temps. Faites attention aux différents accents que vous avez ici. N'est-ce pas? Ici c'est un R. Ces mots vont ensemble. Je n'ai pas pu les mettre les uns à côté des autres, mais ça va ensemble. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Le premier mot que nous avons, c'est mariscos. 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 Qui veut dire fruit de mer. Mariscos, fruit de mer. Fruit de mer. Ensuite, nous avons le mot pescado. 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 Qui veut dire
poissons. Donc vous avez les fruits de mer, los mariscos, et vous avez le poisson, el pescado. Mariscos, pescado. C'est bon pour vous? Ok. Ensuite vous avez merluza. 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 Qui est le colin. Merluza. Le colin. Merluza. Vous avez ensuite, en trois mots, sopa de pescado. Sopa de pescado. Donc on a vu que pescado, c'était poisson. Sopa, c'est la soupe. Soupe. Soupe de poisson. Sopa de pescado. Sopa de pescado. Ensuite, vous avez pescado frito. Pescado frito. Et le mot frito est assez proche de notre mot à nous en français, qui veut dire frit. Poisson frit. Poisson frit. Ensuite, en deux mots, vous avez pescado empanado. 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 Qui veut dire poisson pané. Poisson pané. Donc on a sopa de pescado, soupe de poisson. Pescado frito, poisson frit. Pescado empanado, poisson pané. Est-ce que ça va? Oui, ok. Un autre qui est assez proche de notre mot, c'est atún. Avec un accent sur le U. Atún, c'est le thon. Atún. 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 Le thon. Le suivant, salmón. Avec un accent sur le O. Salmón. Salmón. Qui est le saumon. Salmón. 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 Le suivant qui est bacalao. Bacalao. Et ça c'est le cabillaud. Bacalao. Cabillaud. Bacalao. Et pour finir, nous avons camarón. 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 Ce sont les crevettes. Camarones au pluriel. Camarón, crevette. Donc, nous avons mariscos pour les fruits de mer, pescado pour le poisson, merluza, merluza pour le colin. Nous avons ensuite sopa de pescado pour la soupe de poisson, pescado frito pour le poisson frit, pescado empanado pour le poisson pané. Nous avons atún pour le thon, salmón pour le saumon, bacalao pour le cabillaud et enfin camarón pour les crevettes, pour la crevette. Et voilà. Je vous accorde, ce n'est pas le cours le plus enthousiasmant, mais avec tous ces noms d'aliments, que ce soit les légumes, les fruits, les produits laitiers, les viandes et les poissons. Ça vous permettra de vous aider à mieux reconnaître certains plats dans les restaurants ou même si vous partez en Espagne et que vous faites des courses, ça vous permettra de savoir plus ou moins ce que vous achetez ou de pouvoir repérer ce que vous cherchez. Voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette classe en ligne. J'espère qu'elle vous a vraiment plu et on se retrouve nous très vite dans un prochain cours. Au revoir, merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir à tous.